Va voir. Pendant un beau moment. Ouais. Ah non, mais t'avais des villes littéralement vides. Ah ouais, non mais mec, tout le monde a tout perdu. Ouais. Et en plus, alors ce qui est fou, c'est que t'as vu Sarkozy, il voulait attention, je mets pas ça. Sarkozy, il voulait le même modèle social que les États-Unis. C'est quand il a été aux États-Unis, il a vu la Constitution, le truc, il a dit, je veux ça pour le bourget. Tu vois. Et en fait, quand ça commence à se casser la gueule. Sarko, il était juste au moment où il allait mettre des. Enfin, enclencher, tu sais, ils avaient. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, ils avaient enclenché la maison à 1 euro par jour. Vous ne vous rappelez pas de ça? C'est quoi ça? Borloo, Jean-Luc Borloo, il avait sorti un truc, c'était la maison pour 1 euro par jour, c'est-à-dire 30 euros par mois. Tu vois, c'était le. Comment acheter pour les pauvres, quoi. Ouais. Et en fait, ils ont commencé à faire ça, mais juste là, hop, tout s'est cassé la gueule aux États-Unis. Du coup, ils ont arrêté les frais, quoi. Ils ont arrêté d'en parler. Vous n'avez pas entendu par hasard? La maison à 1 euro par jour? Non. T'as acheté une maison à 1 euro par jour? Ah ben, recherche, tu recherches sur internet, je dis pas des conneries. Hein. Bon, c'est pareil, hein, tout ça c'est vide, et ça c'est gigantesque, et je vais faire ma chambre là-haut, moi. Alors, à un moment, on n'a pas le droit de passer par-dessus les barrières. Mais c'est super, franchement, mais moi je veux vivre ici. C'est vachement bien. C'est du bois en plus. Alors ça, c'est doit être sûrement les dignes irréductibles qui ne veulent pas se barrer. Ah, moi ça y est. Et ça, c'est une cage d'escalier, les gars. Ouais. La nature reprend ses doigts, quoi. C'est droit, ses doigts. Ils vont croiser. Hein? Ils vont croiser dans quelques années, c'est sympa. Bah ouais, mais il y a des chances qu'on puisse l'empêcher. Regarde, là, je fais une vidéo, là. Il y a plein de gens qui voient ça, ils disent, ouais, c'est super, je vais y aller. Ouais. Boum. C'est vrai. Regarde, bon là je vais pas filmer les. Je vais me mettre bien pour pas filmer les plaques d'immatriculation des voitures. Oh ça c'est super, regarde-moi ça. Oh là là, regarde-moi le camion militaire et tout à l'intérieur, beau gosse. Ouais, attention, ça, hop. Ça y a des gens, il y a des gens. Oui mais on voit personne là. Ouais. Non mais je veux dire c'est habité quoi. Oui oui oui, non mais c'est super, regarde-moi ça. À un moment donné ils vont partir. Ouais mais le camion il va rester. Enfin il va partir avec eux. Bah il marche. Ah ah. C'est pas. Mais non, mais je m'en fous, c'est super joli. Ouais, ouais. Je sais pas ce que c'est vachement cool. Quoi. Ouais, c'est vrai que c'est beau. Mais, moi, ça, mais même ça, regarde, c'est quoi? C'est une église, c'est quoi? Non, non, c'est la base de l'hôpital. Ouais. Tu crois? Ouais. Ça, c'est pas des trucs de corail? C'est l'hôpital. Ouais, bah, c'est une chapelle. Ouais, mais moi, ah, mais l'hôpital, il est gigantesque en fait. Ouais, pas grave. Bah moi aussi. Ouais. Non mais ouais, c'est que lui il est en noir. Waouh, il est chauve. Faites gaffe, non, les mecs ils sont chauves. C'est pas ça. C'est peut-être lui, genre qui prend les photos pour les infos. Ah bah c'est pas bien. Pour les infos des mecs. Je sais pas. Bon, donc du coup, bah, ça c'est le reste de l'hôpital, mais il faut absolument venir squatter ici, wesh. Mais arrête de gueuler parce que je sais pas s'il parle français le mec. Non, non, mais c'est surtout parce que je suis en train de filmer, mais je m'en fous, parce que c'est pas mal de dire quoi que ce soit ici. Mais juste, c'est dans ton bien, là, c'est... De quoi tu parles? Tu connais ça, c'est chaud aussi avec... C'est immense, hein. C'est immense, hein. Salut. Ça va bien? Oui, ça, ils voient des bails comme ça, mec. Bon, mais il y a même déjà l'antenne satellite, wesh. Mais ça, c'est quoi, en fait? Pourquoi tu parles, genre? Mais genre, imagine, t'es dans le mirador de l'Eurotunnel à Calais. Ah oui, putain. Et tu vois des centaines de migrants en train de débarquer sous terre. T'es en train de flipper, mais surtout, t'as pas le temps de réagir. C'est pas ça, les migrants, ils vont en Angleterre, là, je veux dire.